Eh bien salut tout le monde, ici William39 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Madagascar. Et donc j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va faire... Enfin je vous rappelle que la dernière fois on a fait l'instinct animal, un bon épisode. Bon, je vous l'affiche là maintenant, ici je vous l'affiche, cliquez dessus, allez c'est une petite exception. Voilà, vous avez le temps de cliquer dessus j'espère. Maintenant, go, allons à la plage. Enfin de retour à la plage, vous voyez de toute façon. Donc voilà, alors... Ça charge. Et voilà, on est lancé. Alors. Je sais plus exactement ce qu'il y a ici. Ah oui. C'est vrai. Gloria, tu es en train de se calmer et de la fermer. Melman, boucle-la, tu veux? Ok les gars, il faut qu'on quitte cette île avant de devenir tous cinglés. On doit reconstruire la balise de détresse d'Alex pour pouvoir partir. Qui a parlé de balise de détresse? Je peux m'en occuper si vous voulez. Vraiment? Wilbur, je t'embrasserai bien, mais je me suis déjà lavé aujourd'hui. Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. D'accord, commençons par la mauvaise. La mauvaise, c'est que votre balise de détresse a brûlé. On sait, on est coincé sur l'île des cannibales. Mais là, en sourdine, dis-nous la bonne nouvelle. Il y a des matériaux pouvant servir à construire une nouvelle balise dispersée sur la plage. Si vous arrivez à tous les trouver, je connais des lémuriens qui pourraient les assembler. Et Gloria, alors ce bisou. Et si on construisait cette balise d'abord? Alors, donc on joue avec Gloria, donc on peut... changer de personnage avec ça. Mais au début on va faire avec Gloria. Donc le premier... Non, ça c'est avec Marty. Enfin avec Melman, je tombe toujours. On va déjà faire ça, donc le premier truc. Là, alors... Ah oui, ça j'ai oublié, bon c'est pas grave. Alors... Voilà. Hors de mon chemin. Et voilà, on a déjà la première couronne. Donc... une couronne volante. Hein. Voilà la couronne volante déjà, qu'on peut voir au loin, je sais plus où elle est, donc c'est pas grave. Alors, on va voir Wilbur aussi. Alors. Eh bon cœur, j'ai un petit souci avec ces crabes. C'est trop. Ils n'arrêtent pas de me passer. Et même si c'est dur à croire, je ne suis plus aussi rapide qu'avant sur ces sabots fendus. Tu peux peut-être les écraser pour moi? Si ça me permet de trouver un morceau de balise, j'écrase ce que tu veux. Si tu en écrases suffisamment dans le temps imparti, tu auras un morceau de balise. Et tu pourras aussi rester en tête à tête avec moi. Alors donc, je vais les écraser. La faire très rapide. Finis les pinces sans rire, mon pote. On touche avec les... C'est bon, on a réussi. Joli travail. Et si on parlait de nous maintenant? On a la tête. Voilà. Commence à voir le corps, donc... Maintenant, le deuxième travail avec Wilbur, c'est... Alors, attendez. Non, je peux pas changer tout de suite. Je vais tout faire ce qu'il y a à faire avec Gloria. Enfin, ce que je me souviens déjà. Alors... Ah, hey, très bonjour. Je crois qu'une pièce pour la balise se trouve dans une de ces caisses. Et si on exploitait cette alchimie qui nous lie pour ouvrir ces caisses ensemble avant que la marée nous monte et ne les emmène au large. Allez, 3, 2, 1. Alors, attendez, je me concentre là, désolé si je commande pas trop. Alors. On perd un peu de temps là. Que
travail d'équipe, nous pouvons nous féliciter réciproquement. Travail d'équipe, t'as pas ouvert une seule caisse. Non, j'en ai détruit quelques-unes. Au moins, j'ai obtenu un nouveau morceau pour la valise. Bon, ben, merci. Voilà donc. On a le bras, il me semble. Oui, c'est le bras. Il me semble que c'est tout pour Gloria. Au pire, on la reprendra. Donc, maintenant, prenons Melman. On a beaucoup entendu parler de Melman. C'est à toi, Melman. Deux dernières vidéos. Ça va être mortel. Gloria, je t'ai dit de ne pas prononcer ce mot. Alors, en fait, un petit truc. Si vous avez vu le film, voilà, il y a aussi ça que Melman a écrit toute sa vie. Enfin, un bref résumé de sa vie. Alors attendez, à quoi sert ça déjà? Il y a un piment ici. Ah oui, non, j'avais pas vu ça. Il y a un rocher. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Bon, alors attendez, on va déjà faire ça. Bon, je vais passer parce qu'à chaque fois je tombe, je sais. Donc voilà. On a eu les pieds. Désolé, c'est un peu fort aussi. J'espère que ce sera pas trop grave. Donc, je ramasse pas les pièces, hein, comme d'habitude. Alors, par où allons-nous? Non, il y a autre chose à faire encore, mais il nous faut Gloria, parce qu'on n'a pas tout débloqué. Ah non, bah attendez. On a ça à faire aussi. Melman, nos éclaireurs ont repéré une pièce cruciale pour la balise de détresse. Elle se trouve sur ce rocher là-bas. Et je pense que tu as la jugeote qu'il faut pour nous aider. La jugeote? J'ai la jugeote? Oh non! Je vais mourir! Non, Melman, calme-toi. Jugeote, ça veut dire intelligence. Oh! Ouf! Je n'ai jamais aimé les mots en hôte. Ça porte malheur. Bref, le plan, c'est que tu utilises ton immense coup pour lancer 3 lémuriens sur ce rocher. Une fois qu'ils seront là-haut, ils devraient pouvoir apporter la valise. Appuie sur action pour charger la puissance et relâche pour lancer. Voilà, donc, alors. Voilà, beaucoup trop. Ah non, j'ai cru que c'était beaucoup trop. Vite, Melman, il en reste encore 2. Alors, attendez. On peut aussi aller chercher les pièges, je crois. Ah bah non, il va pas chercher les pièces. C'est pas grave, donc attendez. Voilà. Et attention au dernier, tu dois faire un tir long. Beaucoup trop fort. Alors, bon. Yes. Ah là, je me suis vraiment... Tire, ça devrait aller. Maintenant, prends ton morceau de balise. J'ai vraiment bien réussi, je trouve. Je ne suis pas senti aussi bien depuis... Toujours. Ah, c'est quand même fort, hein. Je sais le bruit, c'est pas ma faute, excusez-moi. Alors attendez, on va prendre Gloria pour... Gloria, si seulement tu avais pu me voir. Ouais, Melman, tu es le roi de la jungle, on sait ça. Alors... Donc, le piment servait à ça, donc il y a une pierre, si jamais vous l'avez pas vu. Voilà. J'arrive. On va plutôt prendre Melman, donc. Est-ce qu'il y a un panneau? Oh, ouais. Je ne trouve pas de panneau. Si, en voilà un. Alors, mince. Voilà, donc, reprenons Melman. C'est pas de la rigolade, là-bas. Ça ira pour toi? Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Alors... Maman. Alors, je sais plus quoi dire du tout, excusez-moi. Ah, je suis vraiment en manque de quoi dire, enfin. Je sais pas exactement comment le dire, mais bon. Oh voilà. On a la robe. Ah oui, on la voit ici, voilà. On voit ici les morceaux qu'on a déjà eus. Pour l'instant, elle n'est pas encore entière. Il nous en reste 2, enfin un avec Melman et après on prendra Marty. Attention, attention.
Et après, ça devrait être bon. Alors. Maman. Ne quittez pas l'épisode, parce que c'est après, c'est vraiment l'une des meilleures parties de Madagascar, je trouve. Attendez. Je l'ai! Je l'ai! Ouais, donc maintenant, on va faire une des meilleures parties du Let's Play. Hein. Elle est vraiment bien. J'en ferai une vidéo spéciale dessus, carrément. Tellement que moi, je l'ai bien aimé. Salut, Marty. Je vais aller me ressourcer un peu, maintenant. Ça me paraît une très bonne idée, maman. Alors... Ah oui, mais non. Il me semble qu'il faut Gloria, d'abord. Alors... Vas-y, poupée. Plus personne n'utilise cette expression, Marty. C'est... Non, c'est pas ici. Si, si. Alors... Voilà, donc, voilà. On a déjà ça, mais attendez, après, c'est la meilleure partie. Il y aura un combat, carrément. C'est le moment le plus épique, puisque c'est vrai que c'est pas mal de trucs, mais c'est pas vraiment du combat, donc c'est pas vraiment de l'épicness. Voilà. Remplacement, avais-tu ? J'ai besoin d'un bon sommeil réparateur. Pas de soucis ! Marty est dans la place ! Vous avez remarqué aussi qu'on ne pouvait pas Alex, vu que maintenant, il était... un peu fou, voilà. Parce qu'il avait, il avait trop faim. Donc alors, rentrons dans le rêve. Tu dois te battre, tu dois être fou. Ma technique est la meilleure. Ton style est faible et insuffisant. Mes élèves peuvent te vaincre. Tu as vraiment cet accent ridicule? Non, bien sûr que non. Mais tu perdras quand même. Numéro 1, pas le... Non! Maintenant, c'est au tour des crocodiles! Pour l'instant, faut attendre. Voilà. Fais gaffe! Même super bien. Je suis pas une moquette de documentaire animalier, moi. Je sais pas trop comment on esquive. Bon, numéro 1 était nul de toute façon. Numéro 2, élimine-le. Après, on va battre le croco blanc, c'est là où l'épicness commencera. Voilà. Alors. Oh non! Maintenant, c'est au tour des crocodiles? On l'a quand même. Je vois que tu as battu mes élèves. Ta technique n'est pas aussi faible que prévu. Mais maintenant, tu dois battre l'ennemi ultime. Oula, excusez-moi, je n'étais pas prête du tout. Voilà. Pour ça, il est facile. Oh, je sais pas si je ferai une vidéo spéciale dessus. Hein. Mais pour l'instant, il est facile. Alors, excusez-moi, je ne vais pas parler, j'ai complètement zappé. J'étais tellement dans le combat. Ah non, bon, je pars. Ta technique est impressionnante. Tu m'as battu. Alors on l'a battu mais on le retrouvera dans le prochain épisode, vous allez voir, mais c'est pas la fin de l'épisode, ne vous inquiétez pas. Il reste encore deux balises. Ah deux. Attendez, je cherche lesquelles de balises. Bon on verra bien. Ah oui c'est là, je l'ai pas pris. Alors. Voilà, bon maintenant on en a qu'une, il ne reste qu'une, c'est avec Marty encore. Alors donc. C'est ici. Cette fois, on va aider. Je prends de la vie. J'étais pas le full life, donc voilà. Maintenant, on n'est pas full life non plus, mais on a repris de la vie. Alors. Voilà. Salut le zèbre. Ces tortues me causent des problèmes. Elles font tomber les fruits de mon arbre. Je leur ai demandé d'arrêter, mais ça n'a fait que les encourager à continuer. Tu peux t'en charger pour moi.
Pas de soucis. Ces tortues ne vont plus t'embêter très longtemps. Toi et tes fruits. Je vais leur faire une offre qu'elles ne pourront pas refuser. Oh, génial. Merci mille fois. Tu veux dire que tu vas leur botter les fesses, c'est ça? C'est ça. Alors donc... Prends les bios, hein, au passage. Où sont passées les gentilles tortues d'autrefois? Vous avez trouvé quelqu'un à votre hauteur? Enfin, un peu plus grand. Alors, en fait. Faut faire vite. C'est parfait. Ces carapaces sont faites. Tu as réussi. Ces tortues n'ont rien vu venir. Prends ce morceau pour la balise pendant que je reste là et que je m'empiffre. D'accord. Voilà. Maintenant, Gloria, je crois qu'on doit parler d'un petit bisou. Oh oui! Tends tes lèvres et ferme les yeux, tu vas faire une expérience extraordinaire. Melman, vas-y! Ah, question! Qui sait où ce groin a traîné? Imagine que c'est une cacahuète géante. Et puis, je te revaudrai ça. Oh bébé, ça c'était un bisou. Je vais avoir du mal à oublier cette image. Moi aussi. Bon, c'est fini maintenant. Alors on attend ici ou... Eh, Marty, ça va? Je ne peux pas partir sans Alex. Mais Marty, il a essayé de te manger. Je l'ai sûrement mérité pour nous avoir entraînés dans cette histoire. Et puis... Je veux bien supporter 1000 morsures dans l'arrière-train pour sauver mon pote. Bon, 100 morsures. 10. 3. Tu peux rester ici pour surveiller. Je vais chercher Alex. Tu ne sais même pas où il est. Je trouverai de l'aide. A plus. Et voilà, c'est ici que notre épisode se termine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner si c'est pas fait. Moi, je vous dis de surtout abonnez-vous, puisque là, ça le mérite, franchement. Faut surtout pas rater cet épisode-là, Marty à la rescousse. Même les deux derniers, c'est vraiment pas à louper. Surtout celui-là, il est pas mal du tout. Il y aura une course... Ne loupez pas cet épisode, hein. Les deux là, faut surtout pas les louper. Je vous les conseille, franchement, c'est pas pour m'attirer du public, mais ceux-là, faut vraiment que vous les regardez. Je suis sûr que vous allez... Enfin, voilà, que ça vous plaira, voilà. Donc, bah, j'espère... Et donc, Bah, c'est déjà la fin, et puis moi, je vous dis, donc, à la prochaine, et loupez pas cet épisode. Allez, ciao tout le monde, c'était William39. Bye bye.